Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tulle est aux commentaires. Bonjour Darren. C'est parti pour cette rencontre. Bonne réception sur cette longue passe. C'est une remise en jeu. Grenier. Gourcuff maintenant. Là, il peut centrer. Longue ouverture. Il peut y aller. Didac. Mais c'est un ballon qui n'ira nulle part. Il file dans l'axe. C'était presque au fond. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Non, là, ça ne passera pas. Bizevac. Lacazette. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Ce sera une remise en jeu. Gomis. Le ballon récupéré. Godalon. Il reçoit le ballon. Lacazette. Le dépossède du ballon. Ça peut faire mal. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. Bedimo. Gourcuff. Et oui, il faut. Franc. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Et c'est la première faute du match. Il tire. Et le drapeau s'est levé.
Juan Verdú. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Ah, c'est intercepté. Xavi Torres. Juan Verdú. L'interception au dernier moment. Ah non, c'est perdu. Ça combine bien là. Et il perd le ballon, dommage. Oh, quel geste. Gourcuff. Godalon. C'est bien en place, c'est propre au milieu, ça circule bien. Mais il n'arrive pas à s'approcher de la surface et c'est ça le problème. Une très longue passe. Oh, ça peut être intéressant. Lacazette. Miguel Lopez. Il est servi. Frappe. Ballon perdu, ils peuvent en profiter. Oui, magnifique. Il n'a pas peur d'aller provoquer, lui. Il est passé, c'est pas fini. Godalon. Ça peut être extrêmement dangereux. Longue ouverture. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Lacazette. Didac. Mauvaise passe, il récupère le ballon. C'est le moment de centrer. Et le danger va revenir, il fallait le mettre en tribune ce ballon. Il est à distance de tir. Eh oui, il part un petit peu trop tôt, il est hors jeu de quelques centimètres. Il reçoit le ballon. Didac. Mais il peut choisir de centrer. Godalon. Attention, bon ballon. Il peut y aller. Ça ne passera pas, interception. C'est passé. Grenier. Oh, le contre, l'arme fatale. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Il tire. Oh, le but. But pour l'Olympique Lyonnais. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Vous en pensez quoi de ce but d'Arène? C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. Un but d'avance pour l'Olympique Lyonnais, ce serait bien de faire le break. Il mène au score, maintenant il faut...
Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Et il mérite de mener à la pause, le public est satisfait, il faut qu'il continue comme ça. 1-0 au tableau d'affichage, j'ai encore 45 minutes à jouer. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Oh, l'interception. Miguel Lopez. Il est sorti du jeu. Lacazette, il joue dans la profondeur. Xavi Torres. Il est servi sur le côté. Bizevac. Grenier. Un ballon récupéré par la défense adverse. Juan Verdú. Didac. Grenier. Miguel Lopez. Medimo. Godalon. Bizevac. Renversement de jeu de l'autre côté. Grenier. C'est pas un bon ballon, interception. Et ils vont effectuer cette touche. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Juan Verdú maintenant. Oh, ça peut être intéressant. Gourcuff, il intervient avec autorité. Quelle anticipation! Quel bon timing sur cette interception. Une très longue passe. Grenier. Miguel Lopez. Eh non, ça n'ira pas au bout. Il y aura donc touche. Lacazette. Il peut repiquer dans l'axe. Il est en bonne position pour centrer. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Et le cadran se dérobe. Mais se dérobe vraiment. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Il faut plus s'appliquer sur ces ballons. Elle était facile cette passe pourtant.
Gonalon cherche la verticalité. Oh, cette attaque n'ira pas plus loin. Xavi Torres. Juan Verdú. Il joue dans l'espace. Oh, c'est dedans! Et ils sont revenus à hauteur. Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Xavi Torres. C'est bien ce qu'il fait là. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Tentative de centre. Il remporte son duel. Allez, il faut plus de mouvement, plus de rythme si on veut avoir de la qualité dans ce match. Gonalon. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. C'est bien de prendre son temps pour placer ses attaques. Il ne faut pas qu'il perde le ballon là. Gourcuff. Malbranck. Il est sur le côté. La tentative. Oh, le but. But pour l'Olympique Lyonnais. Et il passe devant. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond défilé. Juan Verdú. Miguel Lopez. Quelle présence défensive infranchissable. Nacho. Et lui prend ce ballon. Quelle présence. Grenier. Attention, changement.
Grenier. Gomis maintenant. Ah, il peut mieux faire sur ses passes. Grenier. Briand. Le ballon sort du terrain. Briand. C'est passé. Oh, ça peut être intéressant. Le drapeau ne s'est pas levé. Il va se présenter devant le but. C'est dégagé, loin devant. Bien joué, ça peut être dangereux. Gomis, il part directement dans l'axe. Ouais, il frappe encore. Oh, le but. C'était le moment parfait pour marquer. Il faut tenir maintenant. Il est fort pour sentir ces coups-là. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Xavi Torres. Et maintenant Ruben Castro. Et ce ballon sur l'aile. Il est servi. Il reçoit le ballon. Grenier. Le Betis Séville tient peut-être là une dernière occasion dans cette rencontre. Grenier. Moins de 5 minutes avant la fin du match. Xavi Torres. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Et un score qui reflète la physionomie de ce match, on s'est régalé tout au long de la rencontre. Franchement, c'est un spectacle qui réconcilie avec le football. De la technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est ce genre de match qui m'a rendu amoureux du football. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt.